trouvez-moi une team plus stylée que celle-là. Et d'ailleurs, trouvez-moi une team plus chère que celle-là. C'est une folie. Les ultras coûtent très cher et donc je me permets de vous faire un showcase. Je pense que peu de gens peuvent se permettre. Comme vous savez, je suis cash player et j'ai absolument rien à cacher avec ça. De toute façon, je pense que vous le savez. J'ai eu la chance, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, de dropper tous les ultras de Dragon Ball Legends. J'ai tous les ultras. À partir de ce principe-là, je suis parti faire une team full ultra. Vous allez voir que ça sera sans doute pas si fort que ça. Mais on est parti jouer Gohan, 14 étoiles. On est parti jouer Gogeta 4, 12 étoiles. On est parti jouer Vegeta Blue, 14 étoiles. On est parti jouer Migaté, 12 étoiles. On est parti jouer Rosé, 14 étoiles. Et derrière, Gogeta Blue, 5 étoiles. C'est une dinguerie. Alors j'ai dû faire un peu le maximum que je pouvais avec les items, essayer d'avoir des items qui s'autosuffisent. Mais vous allez voir que très sincèrement, vous allez voir que très honnêtement, et ben mine de rien, il y a des combos qui se dégagent et que c'est loin d'être si mauvais que ça finalement. Mais évidemment, les étoiles vont en dépendre. On est parti jouer ça les gars, en top 300 en Proud. Donc c'est quand même pas rien. Let's go. Bon, je vous le dis, je pense que ça va être très dur. Bon, on a quand même les deux maillons faibles, c'est Gogeta Blue et Rosé, clairement. Donc il faut essayer si possible de plutôt ne pas les jouer ensemble, sinon c'est qu'on a perdu. Donc on va essayer comme ça. Bon, vous avez vu, hein, ça manque de Cap Z. On est surtout là pour le fun. Ok les gars, on aura forcément une animation d'entrée à chaque game, parce qu'on vu qu'on a que des ultras, c'est obligé. Ah dommage. Ok, on va mettre Gohan là-dessus, essayer de réduire le ki. Ça joue Baby Trunks. C'est surprenant comme ça. Pas un perso qu'on a l'habitude de voir. Alors là les gars, c'est pas que je veux pas, mais nous on va... Ouais, il y a plusieurs cartes là. Eh oui. Eh oui, parce qu'il y a plus de switch disponible derrière, et Migaté qui va faire le travail et qui va prendre bras. Hein, je pense. Hein. Ah oui, là. Bon, évidemment les gars, Migaté en TDP, il aurait deux blasts, hein, enfin je veux dire. Doutez bien. Ok. Je me rappelle plus si Baby Trunks si. Ok. Ok, bah première game plutôt simple en vrai. Ok, bon, ça s'est très bien passé. Maintenant, il joue son vrai trio fort là. Même s'il y a Omega dans l'autre, mais bon. En tout cas, ça en a tout l'air. Oh non, il démarre avec une verte. Oh, mais là, c'est dégueulasse. Oh. Alors, ça, j'avais encore jamais vu. Bon, tant mieux pour lui. Ça passe, en vrai c'est pas si bête hein, parce que si jamais tu as une action d'en face, t'es sûr de la placer, mais bon, j'avoue que c'est quand même très rare. Du coup, la verre de Rosé n'aura servi à rien. On voit ce Gogeta fait beaucoup plus mal que le nôtre, hein. Il va être même meilleur que le nôtre, ça c'est sûr. Pas trop de doute là-dessus. Ok. Ok. Ça c'est pas mal en vrai de pouvoir setup VBU. Bah c'est juste la quête au Dragon Ball quoi. C'est. Bon, ouais, on a fini les rigolades. Hein, ça va, on a rigolé là. On s'est marré. Ça va, c'est bon. On pourra commencer à jouer là. Ok. Bien joué. Aïe aïe aïe, le main ultime ici on est mort, hein. Là il n'y aura pas de solution. Il faut qu'on joue autour de... Là faut que Rosé meure, il faut qu'on joue autour de Gogeta 4 en dernier. Hein. Pour pas vous mentir les gars, je vois que ça. Là. Je vois que ça. En plus il nous détruit nos cartes ici, il nous cut des DB. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Pourquoi il a fait ça? Il est mort là, non? Lui, il est mort. Ouais. Ok, il nous a donné volontairement son perso. Alors, peut-être parce qu'il a envie de... Non, je sais pas, en vrai. Donc, on va tap-tap. On a les deux tap-tap dans la même... Ils ont changé le bruit tap-tap, ils sont pas bêtes. Oh, let's go ça. Oh là 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 là. Alors ça va pas être souvent les gars, parce qu'il avait une très belle team GT et je trouve qu'on lui a mis quand même une belle petite fessée quand même, alors qu'en face il jouait sans doute une team pour tryhard, alors que nous on est en train de jouer fun. Donc ça c'est plutôt cool, et c'est là que tu vois que bon, les ultras, moi je le ressens les gars, d'habitude ils tapent beaucoup plus fort que ça chacun dans leur team, mais par contre bah mécaniquement ça reste des ultras quoi. C'est plutôt une famille Goku. Ouais, c'est famille Goku avec Gogeta 4. Alors là, moi je sais qu'il y a un problème de Cap Z dans la team, parce que les deux fusions ne Cap Z pas les familles Goku, Migate, Cap Z Design. Donc en fait, c'est Gohan qui est surtout le très grand perdant ici. On va faire, les gars, ça sera toujours le même trio, je pense quasiment. On verra après si on fait une game de Prad, mais enfin, une game, vous savez, de belle. Mais c'est ce qui me paraît être le plus optimisé. Les gars, mon compte il est quand même banni. Béni, pardon, non, justement, il est pas banni. Enfin, c'est YouTube qui m'a banni, mais il est béni sur les ultras. C'est quand même vraiment. Les ultras, c'est une folie comment ils tombent. Quand tu vois que, par exemple, Super Vegeta, Baby Vegeta, Nappa arrive à Vegeta, Vegeto, que j'ai du pity, Gohan. En fait, il y a des élèves, ils tombent pas beaucoup. C'est même Goku Namek, j'avais pas drop. Goku Tag Bardock, que j'avais pas drop. Il y a quand même énormément de élèves qui m'ont un peu. Voilà. Et du coup, bah, tout le monde résume ma chance sur... Mais en fait, c'est vraiment sur les ultras que j'ai énormément de chance. Sur les LF, pas vraiment, je dirais. Mais sur les ultras, c'est n'importe quoi. Les LF, c'était il y a longtemps. L'époque de Gohan Beast Bleu, là, je vais chater vraiment. Mais c'est surtout les ultras. Bah, après, je suis pas en train de me plaindre. Pas du tout. Au contraire. C'est incroyable. C'est incroyable. On va lui prendre que ça joue, je lui dis comment ça sera fait. Ok. Moi ça me va toujours parce que... Bah après j'aurais un gros migaté les gars, il serait vraiment dans la sauce. Mais là je pourrais pas le tuer. Faut juste que je regarde comment fait dégâts la blast. Ouais, et là il peut mettre n'importe qui. En fait je voulais essayer de proc juste avant les 50%. Mais ça lag trop. Faudrait qu'on lui enlève les 50% là. Voilà, comme ça on a plus l'histoire de cut de cartes. L'objectif serait de... On va faire des choses sympas là. Est-ce qu'il va proc la juge de Migaté? Ce serait bien. Allez. Ok. Ok. En vrai, je pense que ça me va. Il a peur en face, non? Ok, non, c'est juste qu'il campait. Ok, il y a Cover Blast, Cover Strike en face, il y a un peu les deux. Il a raison de faire ça. Il est en train de proc ses jauges là, donc attention lui quand même. Eh, mais pourquoi ça a mis 8 ans à se lancer là? Bah on va perdre... Ah, j'ai hésité, mais on peut pas. Là, c'est trop dur. Par contre, j'ai un peu le seum que le jeu il ait mis 8 ans à lancer ma blast, je sais pas pourquoi. Mais là, je suis bloqué, les gars. Et le problème, c'est que là, je suis avec Gohan face à Gogeta Blue. Je peux rien faire. Personne TP. Oh, ok. Ah, là, ça serait tellement merveilleux qu'il break, mais. Enfin, qu'il cover. Mais... Pas bête. Pas bête en face. Pas naïf. Est-ce qu'il a... Il va avoir forcément... Ok, forcément là-dessus. Pour mettre Gohan. On veut ultime. Lock le Rising Rush.
Ça va être intéressant quand même de lock le Rising avec Migaté. On a encore le lock de Rising du main de Gohan, mais le main de Gohan j'aurais bien utilisé dernier en vie je pense. Hein. Ah, Migaté comme il aurait tué dans une autre team. Migaté aurait vraiment tué dans une autre team. Voilà. Ça commence. Ok, ça commence à se compliquer quand même. Ça commence à se compliquer quand même. Parce que. Ah là, il a tellement plus grand chose à faire pour me. Oh, c'est une blast break, bien joué. Ok, il va spé. Détruire nos cartes. Et c'est... En vrai, c'est no match, les gars. Mécaniquement, C'est moi qui suis débordé là. Pas lui, hein. C'est pas lui qui est débordé mécaniquement. Migaté qui est en train de faire un boulot, les gars. Légendaire. Le perso, ce qu'il est en train de faire. On va Rising. Ça, c'est très bien que ça se passe comme ça. Hein. Parce que là, il aurait pu plus m'embêter que ça avec le Rising Rush de Végéto. Il préfère le laisser. Il a plus de main ultime, donc on va mettre Gohan, on va main, on va lock son Rising. Et peut-être gagner aux dégâts en vrai. On blast pour les breaks. Ah, bien joué. Ok, ça c'est la force de son perso. Kegohan. Kegohan. Oh, il a... Ok, on va être Migaté là-dessus. Attention, attention, il pourrait la gagner, les gars. Il pourrait la gagner. Ah, j'aurais dû camper Gohan. J'aurais dû camper Gohan. T'es pas loin de se faire attraper là. Est-ce qu'on gagne aux dégâts? Je pense que oui, c'est pour ça qu'il attaque. Hein. On gagne peut-être aux dégâts? C'était la seule et unique chance que j'avais de m'imposer face à son trio. C'était absolument la game à gagner parce que derrière, eh ben on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Et oui, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. On a des personnages qui sont beaucoup moins étoilés que les nôtres, alors que vous allez voir que même sans optimisation, on pourra la faire mal. Notamment, je pense que si on main ultime avec Gogeta 4 au bon moment, je pense qu'il va se retrouver dans un énorme bourbier. Oui, le mot bourbier, évidemment, toujours en 2024. Mot très important. Un bourbier. Allez, let's go. Spé derrière, non? Je connais ce combo là, de se faire spé la gueule derrière, c'est terrible. Quand ça arrive, c'est terrible. Pas mal. Bon, tu vas pouvoir contrer. Oh! Il avait attaqué derrière, ça veut dire? Oh, c'était bizarre là, j'ai pu m'avancer mais pas esquiver. Des fois en face, c'est suspect. Mais je vous jure que le jeu il est bizarre. On dirait que je peux pas esquiver. Non, mon ami. Non, mon ami, malheureusement pour toi, non. De TP main ultime VBU incroyable. Eh oui mon gars. Eh oui mon gars. Tu vas mourir. Pour ça VBU c'est fort. Sachez qu'il y a des mecs qui font un combo d'ailleurs. Lock de Gogeta 4. VBU main ultime kill. Et ça j'ai pas encore essayé ce combo. On va spé parce que même si bah en finale on va presque le soigner. Mais je pense que c'est pas mal de lui faire utiliser. Ah on a un anti-soin. On lui a mis un anti-soin. Ah non mais VBU il est incroyable. Oh là 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 là. Il n'y a plus qu'un point de vie.
Arrête. Enfin, ça arrête. Ok, Rosé. Migaté, il est fort, hein, quand même. Moi, Migaté, j'ai beau dire, mais ce perso, il me pose des problèmes. Hein. Je sais que moi, en jouant, j'en pose aussi. Mais pour moi, lui, Migaté, c'est un personnage qui vraiment pose des problèmes. Ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va... Main, histoire de juste nullifier, en fait. C'est bien joué, ça. Attention, attention. Alors, il peut pas se payer. Je sais pas s'il nous tue, les gars. Il a bien joué. Perfect dodge derrière. On commence à faire beaucoup là. Il va pas encore récupérer sa TP là. Ouais, mais ça fait peut-être un peu beaucoup là en face quand même. T'as récupéré deux fois ta TP sur le move. Ça commence à faire vraiment beaucoup là. Carrément, ça m'énerve même, je dirais. Bien joué. Et bah, ça va donner une belle game de 3. De BO3 là. Bien joué. Bien joué à lui. Bah, game de BO3 sans doute, hein, je pense qu'il va la prendre. Tu vois, typiquement face à ce genre de team là, qui sont un peu des teams un peu fusion, bah foncièrement ça va être très dur. Hein. Foncièrement ça va être très dur. Et puis en plus de ça, il a deux rouges, on n'a pas de bleu. C'est le principe d'un showcase fun, c'est que c'est... Faut créer l'exploit quasiment à chaque game. Déjà pour pas vous mentir, je m'attendais pas à autant gagner. Hein. Déjà ne serait-ce que gagner quelques games, c'est déjà beau. Donc ben c'est déjà... On va pas s'en plaindre, c'est bien ce qu'on fait. C'est bien ce qu'on fait. Il faut rester mesuré, il faut rester... voilà. C'est bien déjà. Par contre, oh non, je suis deg. C'est latence de mon tel, je pense. Parfait ça. Parfait. Gohan qui est en train de faire du Gohan. Oh là 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 là, les dégâts. Oh les dégâts. Pas sûr qu'on kill là. Et Gohan les gars il est pas au petit hein, mais bon Gohan. Et on essaye d'être offensif pour l'embêter, mais on voit que ça marche pas. Pas tant que ça en tout cas. Ok, vert ici je pense. Attention parce que... Ah bien joué. J'allais dire faut qu'on vise le lock. Et il a bien joué. Vous voyez comme quoi on arrive à faire des choses quand même. Face à une team où je pense que le gars joue un minimum sérieux quoi. C'est bien. Bien pour nous. Oh, quelqu'un qui a fait du Red Shadow Legend. En pleine vidéo. Merci à lui. Ok. J'ai cliqué sur le Rising avant. Oh, ça doit être mon temps de réaction. Il doit être horrible. Oh là là, je suis dégoûté. Oh, mon temps de réaction ignoble, je suis désolé. Oh là là. Quelle purge. Ah ouais, mon temps de réaction doit être ignoble. Oh, j'ai un temps de réaction ignoble. Je vais mettre ça sur le compte que je suis malade. On va mettre ça sur le compte que je suis malade. Si ça vous dérange pas. Et dommage, on a fait un bon start. Hein. Mais Gohan en dernier là. J'aime bien Gohan en dernier, mais bon. Et ici c'est LF. Ah non. Ah, l'ultime était derrière. Alors, est-ce qu'il va tanker deux ultimes de Gohan? Je pense pas quand même. Ah, je pensais qu'il a... Ah, je pensais qu'il allait main, mais il avait dû sans doute déjà l'utiliser. Il avait sans doute dû déjà l'utiliser. Est-ce qu'on va se faire LF, peut-être?
Let's go. Le LF de gauche tableau. Rien à dire, on aurait pu prendre les games à un certain moment. Dommage parce que à un moment sur Gata on est quand même pas loin de le prendre. Finalement je me dis avec une carte en plus on le prenait. Donc j'aurais peut-être dû mettre une carte supplémentaire. Après il avait le cut de carte à 50% avec le tag. Donc ça c'est plutôt cool, mais franchement le principal c'est de réussir à faire des games plutôt corrects. Après derrière on a peut-être de quoi faire, hein. Il a pris les deux fusion in-game là-dedans. Derrière attention, hein. Nous on a quand même VBU et Gogeta 4, c'est loin d'être plié. Ok les gars, la game de BO3. Bon après faut pas oublier qu'il a Gogeta 4, donc en fait il a le même truc que nous, juste il a Gogeta 4 à la place de Rosé. En vrai c'est meilleur dans tous les cas, mais bon. Par contre vu que j'ai regardé que son perso, je crois que c'était le Gogeta SSJ4 vert qui est en face de nous, pas du tout. Regardez, je vous montre un petit tips ou pas? Vous voyez ça, il peut rien faire. Il y a des gens qui s'en servent de ça pour faire main ultime et tuer. Et c'est pas bête en vrai. C'est pas bête en vrai. Ok, bon. Oh, il a pas anti-cover, on aurait dû cover sur Rosé là tout de suite. Depuis un petit moment déjà. Là on nullifie défensivement donc on va quand même rester là. Bien joué. Main ultime? Non, il peut pas. Allez, il peut. Ok. On a déjà proc, deux stacks de Gogeta, mais c'est normal les gars. On tank pas comme on devrait, donc forcément. Forcément, voilà. On peut pas main ultime avec aucun de nos persos là. On va pas oublier, surtout. C'est frustrant. Et c'est comme ça. Anti-cover ou pas anti-cover? Voilà. La dernière il nous lock. Alors Rosé peut-être. Non bah jamais de la vie il le laisse. Jamais de la vie il le laisse. Il est pas bête en face. Il a bien raison. Bah là Rosé je t'aime bien, mais bon je pense pas qu'il prenne le kill, bah, pas du tout même. Ok, là ça va nous permettre de... Ouais, de cut des DB. Ça me va. Ça me va, on va cut 3 DB. On n'a pas encore, main ult avec... Pas mal. Je vois, c'est pas mal. Bien joué. Là, il va ult, je pense. Est-ce que mon VBU... Dans la... Ah non, on va mettre Rosé. Dans la logique, normalement, les gars, ici, mon VBU est largement assez tanky, mais bon, je t'en crains. Je t'en crains, faudrait qu'on résiste, là. Pas sûr. Pas sûr. Bah non, mes frères, ma team, elle t'en crains, c'est grave. Ok, on va rising, là. Oh, bien joué. Vous allez dire qu'est-ce que j'ai fait, mais les gars. Oh là là, il a trop bien joué. Bien joué. Faut que je tente un rasin. Ok, il va falloir que ça joue aussi, je pense. Alors peut-être. Alors peut-être. C'est une très belle game. C'est une très très belle game, les gars. On fait tellement fière allure, les gars. Je suis en train de gruger à 4 avec des ultras. Son allié dans la team, c'est Rosé. Jamais vu. On va tackle. On va gagner. On va gagner. Je pense. On crit pas, mais on devrait gagner. Si, on va gagner. On nous a mis un malus de crit. C'est pour ça qu'on crit pas, je pense. Les bonus du main sont partis aussi. Et les gars, je suis en train de me la tuer avec une team qui est vraiment... Alors c'est super stylé, mais sur papier c'est pas super fort en tout cas. Bon bah il a bien raison, hein. Il prend son trio du haut, les deux fusion game qui peuvent être sans doute... Enfin c'est son meilleur trio, hein, ça c'est sûr. Nous l'avantage c'est qu'on a deux persos, Gogeta 4, bon voilà. Vegeto Blue, mine de rien dans la team, il y a quelques cap Z. Donc ça c'est cool, et Gohan en leader, donc il a toutes les cap Z. Pour ça qu'on a pris Gohan évidemment, obligatoire ici. Gohan obligatoire ici.
Mais même s'il nous lock le Rasing, l'avantage c'est qu'on a déjà quand même pas mal de Dragon Ball. Oh. Bon, on a la jauge de Gohan. Hein. On va faire confiance à la jauge de Gohan, les amis. Allô? Ok. J'ai tellement mal joué. Oh. Ignoble. Ignoble. Ok. VBU, mais VBU, qu'est-ce qu'il est encore fort? Non, mais vraiment, VBU, je vous jure. Hein. VBU, c'est une dinguerie. Mais il est tellement beau en plus. Non, mais vraiment, VBU, c'est. Ah, c'est un perso historique hein, pour le jeu. Et là, les dégâts AOE vont être très bons. Oui. On attrape derrière. Si on a le Rising, on est bien là. Je crois pas qu'on l'est. Ah, tu me feras pas la même, frérot. Si c'est Rising de VBU. Et Rising de VBU, on connaît. On sait que c'est fort. Allez, pas de contre. Mmh. Ok. On a Gohan. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va. Je pense qu'on va main avec Gohan. Histoire de faire ça. Donc, ça passe, tant mieux. Voilà, ça prend des choses. Ça passe tant mieux, et surtout pour lock le Rising, lock son main. Ça paraît très fort. Très très fort. Donc. Il peut pas Rising, peut pas main, il est dans la merde. Ok. En vrai, s'il faut proc ses jauges les gars comme ça, moi je pense que c'est une bonne chose hein. Attention les gars, gauche en dernière envie, c'est un problème, mais là pour l'instant je trouve qu'on est en train de très bien gérer ça. Il reste une jauge. Oh, il a encore une open safe. Crever là-dessus. Ah, on va quand même garder gauche à 4 dernière envie. Supportable son Gogeta. On a anti-destruction de carte là-dessus. Il va main ultime. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gars. C'est de. Vous voyez, il faut y aller étape par étape pour essayer de gagner la game là à ce moment-là. Ma seule chance face à un Gogeta opti, c'est d'y aller de manière optimiste. Enfin, tranquillement, prends quand c'est jauge, etc. Moi j'ai la jauge encore et voilà. Mais là, le problème, c'est que Rasing, je crois que je suis mort. Ah, je pense que c'est clash de la game. J'ai pas mon clash, fera mieux. Je pense qu'on a perdu ici. Et d'ailleurs, on perd parce que c'est un. Eh ouais, on perd. Oh là là. Bah, bien joué à lui. Bien joué à lui. On perd parce qu'on a un clash, les gars. Ah, on aurait pas dû. On aurait dû se faire taper. J'aurais juste. Ah là là, je m'en veux tellement. En fait, si je me faisais juste taper, les gars, à ce moment-là, je proquais ma jauge. Sauf qu'un tackle fait que ça ne marche pas. Donc, si je bougeais pas, je prenais une strike. C'était bon. On était à deux doigts de faire un exploit de fou, les gars. Enfin, c'est une team sympa. GG à lui, c'était un très beau BO3. On se dit très bien, ça vous. Ciao.